بسم الله الرحمن الرحيم وجدد الترحيب لفخامة رئيسة الجمهورية الإثيوبية الديمقراطية الفيدرالية. كانت لنا فرصة إقامة حوصلة لعلاقاتنا الثنائية، واتفقنا على أن العلاقات ليست كما لازم أن تكون بين دولتين كبيرتين صديقتين قريبتين لبعضهما البعض. من المفروض نحسن أكثر علاقاتنا من كل جوانب. بالطبع احنا فخورين جدا بحضور السيدة الرئيسة فخامة الرئيسة والوفد في احتفال الستينية لإعادة لاسترجاع سيادة الجزائر، وهذه نتمناها باش تكون نقطة انطلاق جديدة في علاقتنا الاقتصادية والسياسية وحتى التبادل البشري. وفي الأخير كان لنا في المحادثات توافق بين البلدين على أغلب القضايا المطروحة حاليا في الساحة الإفريقية وحتى في الساحة الدولية. وأختم بشكر مرة أخرى لفخامة الرئيس والوفد المرافق له. ربما لو سمحت لي فخامة الرئيسة نسيت شيء، اتفقنا على أساس في أقرب الأجال باش نفتح خط جوي مباشر بين الجزائر العاصمة وأديس أبيبا. شكرا. Thank you. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un insigne honneur de me retrouver ici à Alger et que l'Éthiopie, mon pays, ait été représentée à travers mon humble personne au 60e anniversaire de l'indépendance de ce grand pays qu'est l'Algérie. Monsieur le Président et moi-même venons d'avoir des entretiens très fructueux. C'est un constat que nous avons dressé immédiatement. Nos relations ne sont pas à la hauteur de nos ambitions. Et d'ailleurs, ce que vient de déclarer Monsieur le Président sur la ligne aérienne entre nos deux pays est un grand pas dans la réalisation du fait que nous ne sommes pas allés aussi loin que nos ambitions devaient nous y mener. Pour moi, revenir à Alger est une sorte de pèlerinage pour tout ce que ce pays signifie en Afrique, pour les pays en développement et même au-delà. Pour des générations d'Africains, la lutte de libération algérienne a été un moment historique, essentiel et marquant dans la marche des peuples vers la libération du joug colonial. J'appartiens à cette génération. Ma visite ici démontre les liens qui existent, qui doivent exister entre nos deux pays. Nous avons, comme je l'ai dit, eu des entretiens fructueux. Nous aurons des missions exploratrices pour faire avancer nos relations bilatérales. La cinquième commission, je crois, mixte, doit se tenir à Addis Ababa en septembre. Ce sera vraiment, nous souhaitons que ce soit un nouveau départ. Nous avons aussi discuté de ce que nous devons faire au sein de notre organisation continentale, l'Union africaine, où beaucoup doit être fait pour maintenir l'unité et des pays et puis avancer vers le développement et être compté à part entière dans la communauté des nations. Comme il n'y a pas de multilatéralisme sans les Nations Unies, là aussi il nous faut faire un grand travail, surtout de représentation de l'Afrique permanente au sein du Conseil de sécurité. Et même, j'ajouterai le G20, parce que si on n'est pas à la table où les décisions sont prises nous concernant, je pense qu'il y a une injustice qu'il faut rectifier. Donc, en conclusion, Monsieur le Président, je voudrais vous remercier vous-même
votre gouvernement et le peuple algérien pour cet accueil chaleureux et sincère. Je ne m'en attendais pas moins de ce grand pays et ce grand peuple que nous connaissons beaucoup. Nous avons une responsabilité historique de renforcer nos liens, mais aussi nos responsabilités historiques vis-à-vis de notre continent que nous devons jouer pleinement. Vous pouvez compter, comme je sais qu'on peut compter, vous venez de le dire, de l'engagement de votre pays. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci.